de tous les miracles, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir former en nous. C'est toi, c'est ton cœur que nous désirons. C'est après ton cœur que nous soupirons, Seigneur, oh Dieu. C'est après ta vie, c'est après ta réalité, c'est après ta romance, c'est après ton intimité, Seigneur, oh Dieu. Alors nous te rendons d'excellentes actions de grâce au Père, pour tout ce que tu as accompli depuis le début de ces 21 jours. Mais nous voulons te dire qu'il y a une chose que nous désirons ardemment, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, il y a une chose que nous désirons ardemment, ah, c'est d'être trouvé en toi. Il y a une chose que nous désirons ardemment, c'est toi. C'est toi, toi l'auteur de toutes choses. C'est la romance avec toi, c'est l'intimité avec toi, c'est
Rencontre ton cœur, ah, en cherchant tes voies, qu'il rencontre le roi des rois, en cherchant la guérison, qu'il rencontre le guérisseur. Ah, que bon, quelqu'un viendra juste, oh oui, ah, peut-être que quelqu'un se connecte uniquement pour la délivrance, ah, peut-être que quelqu'un s'est connecté uniquement pour la libération, mais en cherchant la libération, qu'il découvre, oh oui, le Dieu merveilleux. Oh.
sommes dans une saison où tu déverses des miracles en tout genre, Seigneur oh Dieu, nous te supplions, donne-nous d'être émerveillés devant tes œuvres, mais d'être amoureux de l'auteur de ces œuvres, oui. Ce que nous voulons, c'est toi. Avec de nous des Moïse qui montent à la montagne, qui vont plus loin, qui vont plus haut pour te rencontrer. Il a opéré des guérisons miraculeuses. Et lorsque nous voyons toutes ces œuvres qu'il a accomplies, nous pouvons nous contenter simplement de dire « Waouh, moi aussi je veux mon miracle ». Mais il y a une autre attitude. Il y a l'attitude qui consiste à se dire « Ce Dieu-là, parce que bien aimé, tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Tout ce que Dieu fait, la motivation de Dieu, c'est son amour. Ah, c'est agapé. La raison pour laquelle il guérit, c'est parce qu'il en a marre de te voir souffrir et que ton bien-être est sa priorité. Et sa motivation, c'est l'amour. Peu importe, bien-aimé, les gens qui étaient guéris dans la Bible n'étaient pas forcément des gens au point. N'étaient même peut-être pas des fois des gens qui avaient fait alliance avec Dieu. Peut-être qu'il y avait même des péchés dans leur vie. Mais Dieu était tellement amour qu'il faisait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants, sur ceux qui sont justes comme sur ceux qui sont ingrats. Dieu aime faire du bien. Dieu prend plaisir à faire du bien. Et lorsque nous voyons à quel point Dieu est en train de faire du bien à son peuple pendant ces 21 jours, notre désir doit se dire, notre soupir, ça doit être de se dire, je veux connaître ce Dieu-là. Je veux le connaître en profondeur. Je veux connaître son cœur. Et je veux avoir ce même cœur de compassion que lui. Je veux avoir cette même motivation d'amour pour faire quoi que ce soit envers les gens. Que ce soit ma motivation, ce soit aussi l'amour. Je veux le connaître davantage. Waouh, quel Dieu à la fois amour, quel Dieu à la fois puissant, quel Dieu à la fois redoutable, quel Dieu à la fois merveilleux, quel Dieu qui a à la fois la facette de l'agneau et aussi la facette du lion de la tribu de Juda. Quel Dieu redoutable, quel Dieu qui est un mystère. Alors bien aimé, nous voulons être comme Moïse qui ne s'est pas contenté de voir les œuvres de Dieu. Ah, Moïse ne s'est pas contenté de voir les œuvres. Moïse est allé plus haut. Moïse est allé plus loin. Moïse est monté sur la montagne pendant que tout le monde était en train de se contenter des miracles. Lui, il a dit non, je veux connaître ce Dieu-là. Pendant que Dieu disait, je vais vous faire partir et je vais étendre ma main sur vous. Je vais vous préserver. Je vais vous faire sortir. Je vais vous faire du bien. Moïse disait, ne te contente pas simplement d'envoyer tes anges. Ne te contente pas simplement de nous faire du bien. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu sois, nous voulons être proches de toi. Nous voulons être intimes de toi. Est-ce qu'il y a un peuple de la catégorie de Moïse pendant ces 21 jours qui rend grâce pour les œuvres, mais qui dit, moi je veux connaître l'auteur de ces œuvres. Moi je veux connaître ce Dieu. Moi je veux connaître ce Dieu si bon, si admirable, celui qui fait tout à merveille, celui qui fait des choses surprenantes, celui
qui fait des choses étonnantes, celui qui fait des choses qui suscite l'émerveillement et l'étonnement. Je veux le connaître lui personnellement. Je ne veux me contenter de recevoir un colis. Ah, comme disait le pasteur Ivan, il y a une différence entre recevoir un colis de la part du chef de l'État et recevoir le chef de l'État lui-même dans ta maison. Alors, bien-aimé, veux-tu être de ceux qui se contentent des colis ou veux-tu être de ceux qui connaissent ce Dieu qui est l'auteur des colis, qui est l'auteur des miracles, qui est l'auteur des prodiges, qui est l'auteur des signes, qui est l'auteur de notre foi, qui est celui qui déverse son onction, celui qui envoie son esprit, celui qui envoie son esprit, celui qui exerce ses jugements, celui qui fait tout à merveille, celui qui ne fait pas les choses à moitié, celui qui a compassion, celui qui est dans sa main, celui qui est dans sa main d'en haut, celui qui saisit, ah, celui qui met fin au carnage, celui qui a la compassion de son peuple, celui à qui guérit, a une guérison dite incurable, des maladies dites incurables. Ah, veux-tu connaître ce Dieu? Ah, peux-tu lui dire ce que moi je veux, c'est toi-même? Parce que si je tais-toi, je sais que la guérison viendra. Ah, si je tais-toi, je sais que tout le reste me sera donné par-dessus tout. Je sais que quand toi tu viens, tu ne viens pas seul. Tu viens avec ta libération, tu viens avec ta délivrance, tu viens avec tes jugements, tu viens avec tes miracles. Mais je ne veux pas avant tout le miracle, je te veux toi, Seigneur. Ce que jugement. À la fois il est ce Dieu terrible et redoutable, et à la fois il est ce Dieu bon, compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Peux-tu lui dire ce que nous voulons? Ah, Emma, c'était Kélia. Aïe, Ria, Mama, c'était ce que nous voulons. Aïe, Ria, Mama, c'était. Ne me laisse pas finir ces 21 jours comme je suis entré. Ne nous laisse pas à finir ces 21 jours, ah, en étant amoureux de ta main. Non, non, Seigneur. Aïe, Ria, Mama, c'était. Ah, lorsque tu opères des miracles, c'est pour qu'on voit à quel point tu es bon. C'est pour que tu nous démontres. C'est une manière pour toi de nous démontrer ton amour. C'est une manière pour toi de nous démontrer à quel point, ah, tu nous aimes, à quel point tu te préoccupes de nous, à quel point tous nos cheveux sont comptés. Ah, lorsque tu t'arrêtes sur le cas de chaque personne, c'est pour lui montrer, ah, je t'aime d'un amour, ah, d'un amour, ah, inconditionnel. Alors, Seigneur, fais-nous te connaître, oh oui. Durable, les choses d'en haut, ah, l'amour, la paix, la joie qui ne dépend pas des circonstances, l'inébranlabilité, quelles que soient les épreuves. Ah, que toi tu sois formé en nous, Seigneur. Ah, que Christ, que le caractère de Dieu, que le caractère saint, que le caractère pur, que le caractère audacieux, que le caractère.
nous changerons pas. Amen. Nous voulons te rencontrer afin que ce soit toute notre vie même qui soit un miracle, Seigneur. Ah, nous te disons merci. Amen. Nous voulons te voir, toi. Nous voulons te connaître, toi. Nous voulons t'aimer, toi. Nous voulons te chérir, toi. Les Gina, Géria, Géria, ma Célia, Silo, Célima, c'est toi. Jacob est demeuré seul et il a lutté avec Dieu toute la nuit et sa vie n'a plus jamais été la même. Sa vie tout entière est devenue un miracle. Ah, nous voulons ce type de miracle, nous voulons ce type de transformation, nous voulons ce type de rencontre avec toi qui change à jamais les vies, qui change, Seigneur, pendant ces 21 jours, ah, que ce soit 21 jours ah, durant lesquels nous te rencontrons personnellement. Ah, fais-nous te rencontrer. Juste apercevoir tes œuvres. Avez-nous te rencontrer comme Jacob t'a rencontré. Oh mon roi, oh, oh. Alléluia, ma maman. Il t'a rencontré et Jacob a été changé en Israël. Ah, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Alléluia, ma maman. C'était Kéria, maman. Kéria, maman, c'était. Mais pendant ces 21 jours, nous voulons le rencontrer, nous voulons le connaître, nous voulons le vivre, nous voulons le désirer. Ah, bien-aimé, la femme samaritaine, elle avait vécu beaucoup de choses. Elle était à la recherche du véritable bonheur. Et pour cela, elle allait de mari en mari. Et le jour où elle a rencontré Jésus, elle était venue puiser de l'eau. Ça veut dire qu'elle était venue pour assouvir un de ses besoins fondamentaux, un de ses besoins fondamentaux. Et elle était venue pour venir assouvir quelque chose qui était un désir profond, qui était un besoin primaire, quelque chose dont elle avait véritablement besoin. Et elle était venue pour puiser dans un puits. Mais Jésus lui a dit, dans Jean 4, il lui a dit, si je te donne de l'eau, il a dit, quiconque, en Jean 4, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau et que je ne vienne plus, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimée, la femme samaritaine a eu une rencontre personnelle avec Jésus ce jour-là. Et Jésus lui a donné une eau qui a fait qu'elle n'a plus eu soif. Elle n'a plus besoin d'aller chercher l'approbation d'un homme. Elle n'a plus besoin d'aller chercher l'approbation de qui que ce soit. Elle était totalement libre au point qu'elle a pu aller annoncer l'évangile dans toute sa ville. Bien-aimée, Jésus lui a donné une eau qui a fait que non seulement elle était comblée, mais elle a pu être une source de bénédiction pour sa génération. Jésus lui a donné une eau. Il l'a remplie d'une telle manière qu'elle était elle-même comblée. Elle n'avait plus besoin d'aller changer encore de mari. Elle n'avait pas besoin d'aller encore chercher quoi que ce soit auprès des hommes. Il l'a remplie de telle sorte qu'elle était bénie. Elle était comblée et elle pouvait être une source de bénédiction pour son environnement. Elle a pu être utile. Et bien aimé, c'est ce genre de transformation qui fait que tu te sens heureux, parce que ta vie compte, parce que tu deviens utile. Tu ne viens pas juste récupérer le miracle et puis tu t'en vas. Toi aussi tu deviens un faiseur de miracles. Toi aussi tu deviens une source d'eau. Toi aussi tu deviens une source à partir de laquelle Dieu peut arroser des multitudes. Et s'il a pu se servir de la femme samaritaine avec qui n'était même pas née de nouveau, elle a fait simplement une rencontre avec Jésus. Elle a
bu de cette eau. Et ensuite, elle est allée évangéliser toute sa ville. Elle a compris que sa vie pouvait compter. Elle a compris que sa vie pouvait être utile entre les mains de Dieu. Alors, bien-aimés, à notre tour, nous voulons faire cette rencontre avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, fais-moi te rencontrer. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de cette eau qui va faire que je ne aurai plus soif. Donne-moi de cette eau qui va faire que je ne vais plus chercher l'approbation des hommes. Donne-moi de cette eau qui va faire que je ne serai plus en train de chercher les désirs de la chair. Donne-moi de cette eau qui va faire que je ne serai plus en train de chercher les choses de la terre. Donne-moi de cette eau qui va faire que en moi-même je serai complet et que je deviendrai une source d'eau vive, que je commencerai à arroser des multitudes. Donne-moi de cette eau afin que, comme a dit son serviteur, le plus petit, comme il a annoncé, il a pris la parole d'Ésaïe 60 verset 22 qui dit que le plus petit d'entre vous sera un millier. Pour que tu deviennes un millier, bien-aimé, il faut que tu rencontres le Dieu qui va t'arroser, qui va te remplir et qui va faire de toi une source de vive, une source de bénédiction, une source de transformation, une source de miracle. Allez, Chariama, dis-lui, Seigneur, je veux te rencontrer. Fais-moi vivre une rencontre de type la femme samaritaine. Fais-moi faire une rencontre de type Saul de Tarse qui a été changé en Paul. Fais-moi faire une rencontre de type Jacob qui a été changé en Israël. Fais-moi faire une rencontre qui changera ma vie. Fais-moi faire une rencontre qui fera en sorte que Simon l'instable sera changé en Pierre. Fais-moi faire une rencontre. Fais que je te rencontre toi. Et parce que je te rencontrerai toi, le véritable moi sera manifesté. Le véritable libérateur, le véritable tueur de chair qui est à l'intérieur de moi sera manifesté. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire ce type de prière? Ce type de prière qui fera de toi une personne inébranlable. Peux-tu aspirer, soupirer après des provisions spirituelles? Peux-tu soupirer, aspirer après ce cœur, après cette rencontre? Bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier pour demander, Seigneur, je ne veux pas juste avoir un miracle sur ma route. Je veux rencontrer le Dieu de miracles. Tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu m'as restauré. Je te suis reconnaissante. J'avais mal dans mon corps et je ne pouvais bien prier. Tu m'as fait du bien. Alors, Seigneur, oh Dieu, ne me laisse pas me contenter du bien que tu m'as fait. Fais-moi te connaître, oui. Ayarebo Santa Kaya. Je prie, bien-aimé, nous prions, bien-aimé, pour que toute personne connectée à ces temps de prière, connectée à ces 21 jours, ait une rencontre avec le roi de gloire qui le rende méconnaissable, qui le rende méconnaissable. Les Shirama Sete, Keriama Sete, Ayeriama Mama, Ayeriama Mama, ce type de rencontre qui font que tu n'as plus peur de rien parce que tu vois le roi invisible. Ayerebo Santa. Fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître.
Apocalypse 4 au verset 1. Apocalypse 4 au verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alléluia. Bien-aimé, il fallait, Jean avait déjà des révélations. Il avait déjà le voile qui avait été tombé. Il avait déjà vécu l'apocalypse, c'est-à-dire véritablement le voile qui tombe. Mais le Seigneur l'a appelé à monter à une nouvelle dimension. Le Seigneur lui a lancé une invitation à laquelle il aurait pu décider ou pas de répondre. Alors Seigneur, pendant ces 21 jours, le Seigneur nous dit monte ici. Ah, peut-être que tu connais Dieu, peut-être que tu as déjà expérimenté Dieu, mais le Seigneur veut que tu le connaisses à une nouvelle dimension. Alors il nous dit, peuple de Dieu, famille ici, c'est monter ici, venez voir, hein, venez découvrir, hein, venez contempler le visage découvert à hein, le Dieu Tout-Puissant. Monte ici, et bien aimé, ce qui se passe, c'est lorsque tu montes, alors il te fait voir ce qui va arriver. Lorsque tu montes, alors il te fait découvrir le véritable toi. Lorsque tu montes et que tu le rencontres à une nouvelle dimension, alors il te fait voir les choses qui vont arriver. Lorsque tu montes et que tu le rencontres à une nouvelle dimension, alors toi-même tu te découvres à une nouvelle dimension. Toi-même tu découvres le véritable toi. Tu découvres la personne qu'il t'appelle à être. Parce que les forteresses, les calamités, les persécutions, les traumatismes que tu as vécu dans ton enfance ont été de nature à te voiler et à ne te voir que comme un prisonnier, comme quelqu'un de limité. Mais lorsque tu montes ici, alors il te fait voir le véritable toi. Lorsque tu es sorti de prison, ah, il faut désormais que tu arrives à avoir une perspective de toi, ah, qui est en dehors de la prison. Il faut que tu arrives à voir le véritable toi. Il faut que tu arrives à voir la destinée qui t'a appelé à accomplir. Mais bien aimé, de toi-même, tu ne peux pas voir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Mais ils veulent te le révéler. Pour cela, il dit monte ici. Pour cela, il dit monte ici. Ah, monte ici. Hey, monte ici. Oh, monte ici. Monte ici. Monte ici. Hey, monte ici. Nous voulons. Ah, nous voulons accepter cette invitation. Aïe, bien, maman, c'est guérir. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ah, élève le niveau de consécration, élève le niveau de prière sans cesse. Ah, Seigneur Dieu, nous voulons accepter cette invitation à monter vers toi. Tu ne vas pas descendre, Seigneur. Tu ne vas pas descendre, oh oui. Tu ne vas pas descendre de niveau. Alors c'est à nous de monter ici. Peut-être que tu faisais des sacrifices, mais il faut aussi que tu montes un cran, que tu montes un cran, que tu montes un cran. Ah, nous voulons monter, nous voulons élever le niveau de tête de Dieu, de passion pour Dieu, de désir de Dieu, de jeûne et prière, de prière sans cesse, de prière longtemps, de prière en tout temps, de prière en toutes circonstances. Pour prier, mais pour te rencontrer, nous voulons monter, élever le niveau.
Cherche beaucoup plus Dieu. Ah, élève le niveau. Élève le niveau. Kériama, sete, kériama, sete, kériama. Alors nous te supplions. Fais-nous monter. Viens nous soulever. Viens nous porter. Viens nous porter. À une nouvelle dimension. Viens nous élever. Sur ta montagne. La montagne de la rencontre. La montagne de la rencontre. La montagne de la rencontre. Nous te supplions à qu'il y ait des rencontres intimes de Dieu qui se produisent dans le lieu secret. Ça nous élever le niveau, oh oui, de focalisation sur toi, d'amour pour toi, de quête de toi, de passion pour toi. Que ton esprit soit répandu, que ton esprit de consécration, que ton esprit de prière, que ton esprit de feu. Ah, Yeria Mama, viens pour soulever, viens pour nous faire monter. Ah, descends, 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 descends sur esprit de vie, esprit de soif de Dieu, esprit d'adoration, esprit qui soulève, esprit qui fait de nous des véritables. Chercher, fais-nous te rencontrer. Alléluia, maman. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Oh, Alléluia, maman. Zata, Meshita, Kaya. Oh, ta nuée nous entoure. Alléluia, maman. Alléluia, maman. Oh, descends sur nous. Viens nous chercher, viens nous faire sentir des poches d'assoupissement, viens nous faire sentir des poches de lourdeur, viens nous faire sentir des trous de distraction, viens nous faire sentir là où nous étions nonchalants, là où nous étions fous, là où nous n'avions pas soif, là où nous prions pour prier, là où nous étions routiniers, là où nous étions nonchalants, là où nous étions fatigués, là où nous étions chargés. Ah, Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'arrivait pas à chercher, quelqu'un qui n'arrivait pas à connecter, quelqu'un qui n'arrivait pas à entrer dans le lieu secret. Ah, je t'en supplie, que ton esprit vienne soulever, que ton esprit vienne porter. Descends sur nous comme une brise, une brise légère de la douceur de ta présence. Hey, ta nuée nous entoure. Rencontrer Dieu, si tu veux le voir comme tu ne l'as jamais vu,
Si tu veux vivre une rencontre nouvelle avec Dieu, il va falloir nécessairement passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Il va falloir nécessairement élever le niveau de sacrifice, élever parfois le niveau de veille, le niveau de prière, élever le niveau de quête de tout ton cœur. Ne pas prier pour prier, mais prier réellement de tout ton cœur. Il va falloir que la grâce de prier longtemps jusqu'à le rencontrer te soit communiquée. Ah bien-aimé, Jacob a dû prier toute une nuit, et même lorsque l'ange lui disait « Laisse-moi partir », il a continué à lutter. Il va falloir que cette grâce de lutter avec Dieu toute une nuit, il va falloir que la grâce de faire des veillées, la grâce de prier sans cesse, la grâce de prier matin, midi, soir, la grâce de prier beaucoup plus, soit déversée sur son peuple, soit déversée sur ta vie. Alors est-ce que tu peux élever la voix et dire « Seigneur, je veux élever le niveau, je veux élever le niveau, je veux élever le niveau de soif, je veux élever le niveau de prière, je veux faire tomber les futilités. Alors que nous sommes pendant ces 21 jours, je veux mettre de côté les distractions, les discussions inutiles, les pertes de temps, les gaspillages de temps, et je veux me consacrer à toi, et je veux te chercher plus, et je veux te chercher plus, et je veux prier beaucoup plus, et je veux rester beaucoup plus longtemps en prière, je veux rester longtemps en prière. Sur la montagne jusqu'à te rencontrer. Ah, je veux prier comme Paul a dit, je prie plus que tous, je rends grâce de ce que je prie en langue plus que tous. Il va falloir que la grâce de prier, la grâce de prier sans cesse, la grâce de prier en langue, la grâce de faire toutes sortes de prières par l'esprit, la grâce de prier longtemps jusqu'à la rencontrer, jusqu'à le rencontrer. Pas juste prier, mais prier jusqu'à le rencontrer. Que cette grâce nous soit communiquée. Alors bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons demander pour chacun d'entre nous, pour le peuple de Dieu, pour la famille ICC, nous allons demander la grâce d'élever le niveau de prière, d'élever le niveau de rencontre, d'élever le niveau de quête, d'élever le niveau de chercher Dieu jusqu'à le rencontrer, d'être capable de veiller, d'être capable de prier 2 heures, d'être capable de prier 3 heures, d'être capable de prier 4 heures, de dépasser nos limites, dépasser les plafonds que nous avions atteints dans la prière, dépasser les rencontres, dépasser le niveau d'expérimentation de Dieu que nous avions connu jusque-là. Alors élève la voix là où tu es et demande à Dieu la grâce de prier longtemps, la grâce de prier jusqu'à le rencontrer, la grâce de prier jusqu'à l'exaucement, la grâce de prier en tout temps, la grâce de se mettre à part, la grâce, bien aimé, c'est une grâce d'être comme Daniel qui priait 3 fois par jour. C'est une grâce de laisser ses occupations pour dire je vais aller prier. C'est une grâce. Bien-aimé, Dieu donne ce que tu lui demandes. Alors demande-lui, demande-lui, demande-lui. Les chérés, 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 c'était. Demande-lui la grâce d'élever le niveau, d'élever le niveau de concentration, de prier longtemps. Aïe, Rebo Santa, de le chercher jusqu'à le trouver. Aïe, Ria Mamama. Ne nous laisse plus nous contenter de 1 heure de prière. Et nous sommes contents. Fais-nous élever. Fais-nous élever. Élever le niveau. Élever le niveau. Yes, il a cédé. Ah, bien-aimé, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui élèvent le niveau? Ou bien tu veux rester en bas? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui montent ici? De ceux qui montent encore? Alors nous déclarons que pendant cette 20 et 21 jours, c'est tout le peuple de Dieu qui monte d'un cran. C'est tout le peuple de Dieu, les nouveaux convertis, montent d'un cran. Ils élèvent le niveau de sanctification. Ils élèvent le niveau de consécration. Ils élèvent le niveau de prière. Je n'ai pas besoin de me contenter de 30 minutes.
minutes parce que je viens de me convertir. Tu peux te convertir et prier 2 heures et prier 3 heures. Tout dépend de ta soif, tout dépend de ton désir de le connaître personnellement. Tout dépend de ton désir. Et rien mama c'est que alors elle aime ailleurs vos santa. Prions ensemble bien aimé. Que tout le monde, les jeunes gens, les vieillards, que Dieu répande son esprit de prière. Que Dieu répande son esprit de prière. Que Dieu répande son esprit de prière. Qui nous fait prier sans cesse. Qui nous fait prier par l'esprit. Qui nous fait prier longtemps jusqu'à le rencontrer. Asiro, je veux prier jusqu'à te rencontrer. Asetekeria, mama, mama, setekeria. Chacun d'entre nous. Que l'esprit de feu, l'esprit de zèle, l'esprit de puissance, l'esprit de soif de Dieu descend sur chacun d'entre nous afin de le chercher. Aïe Rebo, viens nous saler de feu, viens nous saler de feu, viens nous faire séparer à ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Viens nous faire mettre de l'ordre et fais-nous te chercher. Et nous débarrasser de ce qui chaîne notre course. Fais-nous nous débarrasser de toutes les distractions, de tous les soucis, de tout ce qui nous alourdissait, tout ce qui nous empêchait de te rencontrer, d'atteindre le niveau de prière requis en cette saison. Fais-nous atteindre le niveau de prière requis en cette saison. Descends sur nous, viens-nous en aide, parce que c'est toi qui nous fais prier. Ma vie ne sert plus à rien. Que l'esprit de prière vienne saisir même les personnes qui se disaient busy, qui se disaient je n'ai pas le temps de prier. Ah, que l'esprit de prière vienne saisir même ceux qui étaient élevés en dignité, même ceux qui n'avaient pas le temps hier de prier. Ah, que l'esprit de prière soit répandu. Où on entend en temps réel les paroles.
à Dieu. Mais là où on donne la première place à Dieu, là où on fait de l'espace pour Dieu. Qui m'emmène plus haut, disons.
saisi par la foi. Voilà pourquoi je te rends grâce. Parce que c'est toi. Oh. Ni par la force, non. Hey. Ni par la puissance. Hey. Ni par notre expérience, non. Tu emmènes ton peuple. Tu emmènes l'ensemble de la famille. C'est plus haut. C'est toi qui m'emmènes. Tu peux acclamer, 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 acclamer celui qui nous emmène plus haut. Ayaria Masata. Seigneur, nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous te disons merci. Toi qui nous as porté, toi qui nous as transporté, toi qui nous as inspiré. Assurément, toi qui nous as exaucé et toi qui nous emmène plus haut. Toi, louange, honneur et gloire et action de grâce. Reconnaissant. Amen, amen. 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 Rimakatarabasa karababoso totoro musika. Imandarababoso karabasa ya. Imandarabakotoroboso robose keremaya. Imandarababoso robose keremaya. Tiobo. Narabakatarabasa karababoso dorobo. Tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon, Abba Père. Iriba sekere maya mababo, iribo soya. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons, nous t'adorons. De nous approcher de toi avec assurance, de nous approcher du trône des grâces avec assurance. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Abba Père, Abba Père, Rokoto Sike, Makaraba Brosso, Imande Rebosa, accorde-nous la grâce d'être conduit par toi. Prends-nous par la main, Saint-Esprit. Prends-nous par la main et amène-nous à contempler le Père. À contempler Dieu, Saint-Esprit. Montre-nous le chemin. Saint-Esprit, viens rendre témoignage de Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Oui, c'est toi qui glorifies Jésus. Tu es notre avantage. Ah, Saint-Esprit. Abba Père. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba, nous t'adorons. Abba Père, Abba Père, nous t'adorons. Accorde-nous la grâce d'être des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Abba, tu veux un peuple d'adorateurs, des véritables adorateurs. Seigneur, nous venons humblement avec humilité. Nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Nous venons dans ta présence. Ah, car nous ne pouvons
arriver, venir vers toi. Si tu ne nous attires pas, alors nous voulons, en venant dans ta présence, Seigneur, avec action de grâce, reconnaître la grâce que tu nous fais de nous approcher de toi, la grâce que tu nous fais de te chercher, la grâce que tu nous fais, Seigneur, de prier à bas. Alors nous voulons d'abord t'adorer. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Nous voulons dire que tu es bon. Abba Père. Rokoto Robosa. Imandere Baba. Abba Père, tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, bienfaiteur, bâtisseur, tu es bon, oh tu es notre autre étreinte, Abba, libérateur, bouclier, refuge, tu es bon, tu es, chantons ces. Tu te souviens de nous. Makarebo Simanda Rababo Sokara. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Seigneur, tu nous fais tellement du bien. Et nous voulons reconnaître tes bienfaits, reconnaître tes bontés. Nous ne voulons pas regarder le verre à moitié plein. Non, nous voulons reconnaître ce que tu as déjà fait Abba. En arrivant ce mois de décembre, nous voulons regarder, Seigneur, depuis janvier, depuis février, en passant par mars, en allant par avril, en allant, Seigneur, au mois de mai, juin, juillet, Seigneur, août. Oh, barrecoto si Ababa. Ah, septembre, octobre, novembre et décembre. À chaque mois, tu as été bon, Abba. À chaque mois, tu nous as conduits par la parole prophétique. À chaque mois, tu nous as monté le chemin. Abba, tu es bon. Rokotosima, Makareba Brosso, Rikamande Rebosa, Makarekaya. Tu es bon. Notre bien. Tu n'as jamais désiré nous voir être malmenés. Tu n'as jamais désiré nous voir demeurer dans la maladie. Tu n'as jamais désiré nous voir manquer le but pour lequel tu nous as déposé sur terre. Tu es bon. Abba, tu es bon. Makaremoso, Rabakatea, Mareboso, Ramakarekaya. C'est toi qui répands tes bienfaits sur la famille impassant chrétien. C'est toi qui répands tes bienfaits sur nos familles, nos maisons. Seigneur, nous reconnaissons que respirer c'est ta grâce, manger c'est ta grâce, se réveiller c'est ta grâce, ouvrir les yeux c'est ta grâce, parce que tu es bon. Ta grâce nous a amenés là où nous sommes et ta grâce nous portera encore à cause de tes bontés. Abba, Robosimande Rebo, Rakande Rebo Shaya. Tu es notre force, Abba. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Notre haute retraite, notre refuge, notre protection, notre bouclier, Abba. Tu es bon, tu es bon pour nous. Tu as des plans merveilleux, tu as des projets merveilleux pour nous. Tu as des projets merveilleux pour nous, pour nos familles. Tu as des projets merveilleux, Seigneur, pour notre santé. Des projets merveilleux pour nos destinées. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître et chanter et dire encore que tu es bon. Marokotosa, Merebakaya. Peux-tu élever la voix en esprit pour simplement reconnaître avec des excellentes actions de grâce combien il est bon. Robo Kotoya, Mac.
carre catosia maraba brose kate amande rebosoka imakaraba kariande reboso rama carre babroso do robosa mande rebosha recando roboso kariama mandara baboso recande riama mare koto roboso maya andaria mama imande rebosha kata yamande reboso kariya imande reboso robosa kaya dans le psaume 59, le verset 18, le psalmiste dit, « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu tout bon, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. C'est un Dieu tout bon, c'est pour cela que nous contemplons sa bonté, ce matin tu es bon, tu es bon. » Tu es tout bon pour nous, Abba. Abba, tu es bon. Ah, dans ta bonté, tu nous fais du bien. Et on t'appelle notre bienfaiteur. On t'appelle notre forteresse. On t'appelle notre haute retraite. On t'appelle notre libérateur. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Seigneur, c'est toi qui nous assujettis nos ennemis. C'est toi qui nous guérit de nos maladies. C'est toi qui nous libère de nos forteresses. Abba, tu es. Ah, Makarebosha. Bien aimé, l'aimé, l'aimé, disons-lui, tu es bon. Abba, Père, tu es bon. Tu es tout bon. Tu es tout bon. Makarebosho kaya. Ibarebabo. Bienfaiteur, tu es. Forteresse, tu es bon. Tu es bon. Nous bénissons ton nom. Nous ne voulons pas oublier aucun de tes bienfaits. Parce que tu es bon, tu nous as tant fait du bien. Ah Seigneur, depuis le début de l'année, tu nous as porté, tu nous as gardé, tu nous as protégé, tu nous as amené sur le chemin de ta volonté. Et tu ne nous as pas laissé en tant qu'église dérailler, dérouter. Non, Seigneur, malgré la pandémie, tu nous as gardé, tu as gardé tes serviteurs. Seigneur, tu as gardé les apôtres de la maison et tu leur as accordé la grâce de parler. Seigneur, de ta part, tu leur as accordé la grâce d'annoncer ta parole là-bas. Tu nous as accordé cette grâce de recevoir tes paroles. Tu nous as accordé cette grâce d'être enseigné. Nous sommes reconnaissants. Bien-aimé, Dieu est bon. Il nous a donné ses serviteurs. Il est bon. Rokoto Robosa, merci Abba. Dans ta bonté, tu t'es choisi des serviteurs qui ont obéi, qui ont accepté de tout abandonner, de se livrer à toi, afin d'être des instruments que tu utilises pour nous instruire sur tes sentiers, pour nous montrer, Seigneur, combien tu es bon. Seigneur, tu nous enseignes tellement. Merci, merci, Seigneur, pour tes serviteurs. Abba, nous disons, tu es bon. Rokoto Romosi, Makaraba Brosa. Ah, bien-aimé, dis-lui. Ah, tu es bon. Il est comparable à notre Dieu, tout bon. Tout bon. Tout bon. Ce n'est pas la maladie qui est encore là qui va nous amener à dire qu'il n'est pas bon. Non, il est bon. Il est bon. Bien-aimé, que rien dans ton corps ne dise qu'il n'est pas bon. Il est bon. Tu ne fais pas de favoritisme et nous reconnaissons que tu es bon. Et parce que tu ne fais pas de favoritisme, tu es un Dieu qui fera. Tu es celui qui a commencé à bâtir des vies. Lorsque nous regardons, Seigneur, à combien d'âmes ont été sauvées dans cette année 2021. Lorsque nous regardons combien de personnes ont été transformées. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui par ta parole nous bâtis, nous transforme. Tu es bon. Nous marquons une pause simplement pour considérer tes bienfaits, Abba, parce que tu es bon. Nous voulons dire que tu es bon. Ah, nous nous arrêtons pour regarder comment tu nous as fait marcher, comment tu nous as amenés. Ah Seigneur, tu as répandu l'esprit de prière sur ton église et tu nous as amenés, Seigneur, à prier, à prier. Et quand on regarde,
Seigneur, les églises de partout connectées, les églises qui reçoivent ta parole. Seigneur, l'église est restée debout. L'église est restée inébranlable. Abba, Abba, Robo Soko, Robo Saya. Toi que je célébrerai, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous honorons. Protecteur, pourvoyeur, source, source de joie, source de paix, source de force, source de motivation, source de courage. Abba, lorsque nous nous sommes sentis comme découragés, tu as été là, hein, Seigneur, pour nous encourager, pour nous relever, Seigneur. Dans les solitudes, les moments seuls, les moments de pleurs, tu es venu nous encourager, tu es venu nous relever. Abba, tu es bon, tu es Maré Kataya. Quand nous regardons combien tu as épargné tes serviteurs de toutes sortes de forces préparées par l'ennemi, de toutes sortes de pièges préparés par l'ennemi, les fausses accusations, Seigneur, toutes sortes de choses que l'ennemi a prévues, ces traquenards, ces pièges, Seigneur, tu les as fait échapper de la fosse, tu les as mis au large, comme dit le psalmiste. J'ai crié à l'Éternel et il m'a mis au large, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de mes angoisses. Seigneur, nous te rendons grâce à bas. Tu es, tu es, tu es, tu es bienfaiteur, tu es bon. Robo Sokaria Mama Rekataya. Bien-aimé, célèbre ses bontés. Tu es, tu es, tu es, tu es. Mare Koto Robo Saya Mare Kata. Tu es notre haute retraite car tu es bon. Abba Père, tout bon Dieu, tu es, tu es. Abba Père, tu es. Alors nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba, Abba, Abba. Rokoto Sika. Nous savons que nous avons un Père bon. Parce que tu es notre Père, à notre Père qui est dans les cieux. C'est toi qui nous envoies le pain du jour. C'est toi qui nous envoies le pain quotidien. C'est toi qui penses à nous. Tu nous envoies les rémas, tu nous envoies les paroles prophétiques. Mais non seulement cela, tu prends bien soin de nous. À notre bien-être, c'est ta volonté. Notre bien-être, c'est ton désir. Parce que tu es bon. Shakataya imakarebasa imandereboso. Tu es bon. Amen. Nous t'adorons. Encore une fois, tu es bon. C'est le bon. Le Dieu tout bon. Ah, ne regardons pas simplement à ceux qui nous n'avons pas encore reçu. Ne regardons pas simplement à ce qu'il n'a pas encore accompli. Oui, il le fera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Mais c'est important pour nous de faire une pause et de dire merci, de lui dire merci, de reconnaître qu'il est bon, de le contempler comme un bon Dieu. Tout bon bienfaiteur, tu es. Rekato Robosa, Imande Rebosa. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, ah, tu es bon. Dans le psaume 103 et au verset 2, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne te trouble pas. Mon âme ne t'inquiète pas. Mon âme ne pense pas que tu as été oublié. Mon âme, tu as un Dieu bon. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il a déjà commencé à faire. Bien-aimé, nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu. Parce qu'il est tellement bon que celui qui parle, celui qui nous envoie les
paroles prophétiques. À recevoir les paroles prophétiques qu'il envoie, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Et nous savons qu'il nous a dit, déjà depuis le début de ces 21 jours, il a dit que des multitudes reconnaîtront que c'est lui que nous avons choisi. C'est lui que toi tu as choisi, que moi j'ai choisi, que nous avons choisi. Est un Dieu qui est bien vivant. Et c'est Dieu qui est bien vivant. Il est bon, il est bon. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec nous et dire merci au Seigneur pour les paroles prophétiques qu'il envoie? Parce qu'il parle, c'est lui qui parle. Il dit la chose arrive, il l'ordonne, elle s'accomplit. Dis-lui merci, élevons la voix et disons-lui merci. Rokotisi kabara, romokoto robosa. Nous voulons te dire merci, merci pour la parole que tu envoies. Et car la parole que tu envoies révèle tes projets. La parole que tu envoies révèle tes intentions. La parole que tu envoies révèle ce que tu veux accomplir. Et tu veux faire de nous, Seigneur, des vitrines à travers lesquelles on verra Christ, à travers lesquelles le monde regardera et contemplera tes bontés. Verra que tu es vraiment un Dieu bon qui opère et qui fait infiniment au-delà de tout ce que ses enfants lui demandent. Tu es le Père qui prend soin de ses enfants. Tu es le Père qui ne nous donnera pas une pierre ou un serpent lorsqu'on te demande quelque chose. Non. Rabarekata maketea robosokotoya. Abba, merci pour les paroles prophétiques. Merci pour les paroles prophétiques que tu envoies. Rekato sobaya. Nous sommes tellement reconnaissants pour les paroles prophétiques que tu envoies. Car ces paroles révèlent, Seigneur, que tu es bien là, que tu es bon, que tu veux nous faire du bien et que tu veux nous bâtir. Tu veux faire de nous l'édifice bâti par toi. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes cet édifice. C'est long que l'apôtre Paul a dit, vous êtes l'édifice qu'il construit. Nous sommes l'édifice que tu bâtis. C'est pour cela que tu nous envoies les paroles prophétiques. Lorsque tu nous dis, Seigneur, que les œuvres que nous voyons, nous en verrons des plus grandes, Seigneur, c'est que tu veux nous amener dans une dimension que toi tu as prévue d'avance. Car longtemps d'avance, tu annonces ce qui n'est pas encore. Longtemps d'avance, tu annonces ce qui n'est pas encore arrivé. Tu es le Dieu qui veut, tu es le Dieu qui peut, et tu es le Dieu qui va faire. Alors nous te reconnaissons et nous disons merci. Nous te rendons des actions de grâce, car tu as parlé. Et quand tu as parlé, Seigneur, tes arrêts subsistent. Tes paroles, comme tu nous l'as encore dit, n'auront pas de délai. Tu accompliras. Rokoto robosha, mekare kanderebasa. Icaria, c'est toi qui nous amènes dans une saison où, Seigneur, les voies, les forteresses qui nous parlaient, tu nous montres comment les détruire, comment les démolir. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Et tu nous envoies la parole prophétique. Tu nous as dit que nous n'entendons plus les voix des hôtels familiaux, les voix des hôtels régionaux qui avaient mis des limitations sur nos vies. Au nom de Jésus, nous croyons en cette parole. Et parce que nous croyons en cette parole, nous te rendons grâce. Nous recevons ces paroles. Bien-aimé, rends grâce pour les paroles prophétiques. Rabaketea. Car la parole que tu reçois, la parole que tu gardes, la parole que tu lambano, c'est celle qui s'accomplira. Rokoto robosha, rakatea, rekande rebosa. Ah Seigneur, nous sommes en train de dire merci. Nous te rendons grâce parce que ce que tu annonces, tu le feras. Même si nous ne savons pas comment tu le feras. Ah, comme Marie a dit, comment cela se fera-t-il lorsque la parole prophétique lui a été annoncée? Comment cela se fera-t-il? Seigneur, nous ne savons pas comment, mais nous voulons juste nous arrêter et dire merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu es en train de faire, et merci pour ce que tu feras. Comment? Tu annonces déjà. Tu annonces déjà. Ah, Seigneur, longtemps d'avance, tu as dit, Seigneur, que ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Tu as annoncé déjà la moisson de la destinée. Tu as annoncé déjà que les voies des limitations qui limitaient nos vies, Seigneur, disparaîtront. Nous te rendons déjà des actions de grâce. Roba Kataya. Ah Seigneur, merci, car tu ne veux pas que nous soyons connus pour être limités. Tu ne veux pas que nous
nous soyons connus comme la risée du monde. Non, tu veux faire de nous des témoins avec preuve. Et tu envoies ta parole. Quelle parole? La parole prophétique. Tu dis, ah Seigneur, et la chose arrive. Tu l'ordonnes, elle s'accomplit. Merci de bâtir nos vies. De bâtir nos vies à travers ta parole. Marokoto robosa. Imane rebosha yarababosa. Ikane rebosa. Amne rebosia. Imakaramama. Merci parce que tu nous bâtis. Tu veux faire de nous, Seigneur, ces vitrines par lesquelles le monde verra la gloire de Dieu. Le peuple que tu t'es choisi et qui doit publier tes louanges. Le peuple que tu as choisi et qui doit te révéler dans cette génération. Le peuple que tu t'es choisi, qui doit marcher avec la manifestation de Christ pleinement formé. Roba Katea et la démonstration d'esprit et de puissance. Makarebosa. Mais cela, tu l'annonces d'abord. Tu l'annonces. Merci parce que tu parles. Parle, Seigneur. Le fait juste que tu parles, c'est que tu nous as exaucés. Et parce que tu parles, c'est que tu nous as exaucés. Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci. Car quand Dieu a parlé, c'est qu'il a exaucé. Quand Dieu a parlé, c'est qu'il a exaucé. Alors, bien-aimé, coulons en action des grâces. Rababosha. Imanderebosha. Imanderekaya. Imanderebosha. Koromosia. Mandarababu. Ah Seigneur, merci car tu es notre bienfaiteur. Tu es celui qui nous fait du bien. Seigneur, merci. Nous te célébrons car tu es tout bon. Nous te célébrons car tu es tout bon. Nous te célébrons car tu es notre bien. Nous te célébrons parce que tu annonces la parole prophétique. Romo shakarababosa. Ererebabosa yababosikaya. Inderebosa, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Abba Père. Longtemps d'avance ce que tu veux accomplir. Et si tu parles ce que tu nous as exaucé, Abba. Abba Père. Abba. Areko do Robo Shaya. Nous rendons grâce. Abba Père. Nous rendons grâce. Abba Père. Nous rendons grâce. Abba Père. Nous rendons grâce. Nous confions dans ce que tu annonces. Ah, tu as dit dans ta parole, ne méprisez pas les prophéties. Nous ne voulons pas mépriser, négliger aucune des paroles que tu as envoyées. Seigneur, nous voulons nous confier dans les prophètes que tu as donné à ton église. Marebosi, manderebosa, imakarebos, Abba, nous rendons. Shaya mama, le kate a mama, romo soko romo, imande rebosa, ikande reboso. Est-ce que tu es en train de rendre grâce pour la parole prophétique, les paroles prophétiques qui sont annoncées? Abba, romo soko, yababo shaya, nerebo shaya, nous rendons. Merci pour la parole prophétique. Soya, Nerebosho, Chaman de Rebos, nous rendons, Marebosha, nous nous confions en toi, nous nous confions, Seigneur, dans
les paroles prophétiques. Nous nous confions à toi et nous voulons croire, Seigneur, ce que tu as annoncé, ce que tu as proclamé. Nous nous confions en toi et nous savons que ce que tu annonces, tu le feras. Nous rendons grâce. Ah, tu as dit dans ta parole. Oui, Seigneur, tu nous amènes à nous confier dans tes prophètes là-bas. Oh, 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 Shirimaka. Nous rendons grâce. Abapé, nous rendons. Nous rendons. Nous rendons. Abapé, nous rendons grâce. Nous rendons. Pour la parole prophétique, nous rendons grâce. Makareboso, imande rebosa ya, inde rebosa, imande rebosa. Nous rendons grâce, Abba, pour la parole prophétique, Abba. Nous rendons grâce, Abba, nous rendons grâce. Nous voulons rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu. C'est lui qui dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » C'est Dieu-là nous a conduits pendant ces 21 jours, depuis le début, et alors que nous allons vers la fin de ces 21 jours, bien-aimés, nous devons prendre un temps pour lui dire merci. Merci car celui qui conduit son serviteur, merci car celui qui amène le peuple dans la prière, merci car celui qui nous instruit, qui nous montre le chemin, non seulement d'ailleurs pendant ces 21 jours, mais il est avec nous. Ah, bien-aimé, l'entendre, l'écouter, le voir, nous instruire depuis le début de cette famille, un passant chrétien. Il faut juste rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Combien bénéficie de cette grâce de pouvoir être instruit, à cette grâce de pouvoir être conseillé, conduit par l'Esprit. Bien-aimé, élevons la voix, rendons grâce à Dieu de la façon dont il nous conduit. Il nous conduit en tant qu'Église. Il nous conduit pendant ces 21 jours. Amakate Ababosa, Imarebosa. Nous te rendons grâce de la façon dont tu nous conduis. Tu nous instruis, Seigneur, à travers tes serviteurs. Merci pour la façon dont tu bâtis ton église. À travers, Seigneur, les directives. Tu nous mets sur le chemin de ta volonté. Tu ne nous laisses pas être en dehors. Et chaque fois, nous sommes juste reconnaissants en tant qu'église de voir comment tu nous conduis. Nous sommes juste reconnaissants en tant que famille spirituelle de voir comment tu nous gardes. Tu nous préserves des divisions. Tu nous gardes, Seigneur, de tout ce qui est fausseté. Tu nous gardes du feu étranger. Tu nous préserves et tu nous amènes, Seigneur, dans ta consécration. Tu nous amènes à te chercher. Tu nous amènes à ta rencontre. Seigneur, comment ne pas dire merci? Tu nous instruis à chaque année. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres l'agenda. Seigneur, tu as commencé. Tu perfectionnes. Non seulement tu perfectionnes, mais chaque année, tu nous montres ta volonté. Alors merci, merci Seigneur, car c'est une grâce que de pouvoir t'entendre, c'est une grâce que d'être conduit par toi, c'est une grâce que de nous amener en tant que famille spirituelle, Seigneur, à être dirigé, conduit par toi. Amare Kotosa, Ramakarababo, Rekaya, nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits, nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits, car tu es bon. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu nous as conduits, tu nous as dirigés, tu nous as montré la voie de la même façon que tu as conduit Israël. Tu les as fait sortir d'Égypte. Ah, Seigneur, à bras forts et à mains étendues, tu leur as fait passer le Jourdain. Tu les as guidés. Seigneur, sans toi, ils ne seraient pas sortis. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, et au fur et à mesure, tu nous amènes de gloire en gloire, de dimension en dimension, de profondeur en profondeur. Seigneur, merci, 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 merci de la façon dont tu nous conduis. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, par
l'esprit de conseil. Rakato Robosa, Marakatea. Merci pour la façon dont tu conduis les pères de la famille. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Rekete Rabasa. Bien-aimé, rends grâce de la façon dont il nous conduit. Et depuis ces 21 jours, ah Seigneur, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux de voir comment chaque jour, Seigneur, tu nous amènes. Ah, nous arrivons et nous te cherchons et tu nous conduis à travers les conducteurs, à travers ton serviteur. Tu nous parles, mais tu nous montres le chemin. Ah Seigneur, merci, merci. Reketea. Roboso koto robosa. Imande rebasa yaba. Ndere makarama soka. Imande rebosa. Seigneur, le peuple que tu conduis est un peuple heureux. Le peuple auquel tu montres le chemin ne peut pas se trouer, ne peut pas se tromper, ne peut pas aller à la dérive. Parce que lorsque toi tu as les conduites, lorsque toi tu as les manettes, lorsque toi tu as le volant, on ne peut pas aller à la dérive. Une église ne peut pas aller à la dérive. Nous serons cette église glorieuse. Nous serons cette épouse qui te cherche et qui se prépare à ta rencontre. Seigneur, merci, merci de nous préparer à ta rencontre en nous instruisant, en nous montrant la voie, en nous dirigeant, en nous conseillant, en ayant les regards sur nous. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci. 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 Seigneur. Oh, nous voulons compter tes bienfaits. Nous voulons compter tes bienfaits. Ah, nous voulons compter tes bienfaits. Parce qu'il est écrit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant ta face. Ah bien-aimé, es-tu en train de compter les bienfaits de Dieu? Es-tu en train de compter les bienfaits de Dieu? Robo Chandere Baboso, Robo Saya, ah bienfaiteur. Abape, Arabaso, Robo Sha. Nous rendons grâce. Ah, nous rendons grâce. Abape, nous rendons. Nous rendons Abba, 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 Romo Sikerea, Imande Rebasa. Comptons les bienfaits de Dieu. Abba, 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 Romo Soko Romoya. Nous rendons les excellentes actions de grâce. Tu es notre berger et tu nous as conduits. Tu es notre berger et tu nous as montré le chemin. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as guidés. Seigneur, ah, Mare Kadea. Ah, nous rendons grâce à notre berger. Nous rendons grâce à notre conducteur. Nous rendons grâce à celui qui nous dirige par son esprit. Ô Père, nous rendons grâce. Robo Saya, Ikate Yamandara, Romo Sokotoya, Nimanderebosa. Ah, l'Éternel est mon berger, dit le psalmiste. Je ne manquerai de rien. Seigneur, c'est toi qui nous fais reposer dans les verts pâturages. Seigneur, tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu nous diriges non pas dans les troubles. Tu nous diriges non pas dans le gouffre. Tu nous diriges non pas dans la fosse. Mais tu nous mènes sur des chemins bien tracés. Tu nous montres les chemins bien tracés. Parce que ceux qui se confient en toi trouve des chemins bien tracés. Et lorsque nous nous confions en toi, tu nous conduis, tu nous mets sur des chemins bien tracés et tu nous diriges vers des eaux paisibles. Seigneur, tu restaures nos âmes. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice. Et cela à cause de ton nom. Abba, Abba. Nous rendons grâce, Abba. Nous rendons grâce de la façon dont tu nous conduis, de la façon dont tu nous mènes, Seigneur, dans les sentiers que tu as prévus toi-même. Nous rendons Makarebosoka, Imanderebosa. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que quand nous marchons dans des moments difficiles, dans la vallée de l'ombre et de la mort,
mort, lorsque nous sommes entourés d'ennemis. Seigneur, c'est toi qui ne nous laisses pas, c'est toi qui ne nous as pas abandonnés, c'est toi qui as été avec nous. Seigneur, c'est toi qui nous as instruit, conseillé, montré la voie à Marakatosia. À ma paix, nous rendons grâce. Église, rendons grâce. Avec moi. Et nous nous disons, tu es avec nous. Tu nous conduis. Abba de Rebosa. Tu nous rassures. Tu nous montres le chemin. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses même devant nous une table en face de nos adversaires. C'est pour cela que le psalmiste dit dans le psaume 23, ô Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mais cela, c'est quand tu me conduis. C'est quand tu nous conduis. C'est quand tu nous instruis. C'est quand tu nous montres la voie. C'est quand tu nous conseilles. C'est quand on se confie en toi. C'est quand on se laisse conduire par toi. On s'appuie sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous rendons grâce de la façon dont tu nous conduis. C'est pour cela qu'on peut dire oui, le bonheur et la grâce. Oh, nous accompagnerons. Abba, Rekando Robocha. Nous rendons grâce. Église, rendons grâce. Abba, paix. Élève la voix encore une fois. En esprit, élève la voix en esprit. Makarobosia. Imande Reboso. Makate Rebakaya. Imande Rebosa. Imande Reboso. Rekataya Manda Rababo. Romoko Roboshaya. Imande Reboso. Rakande Reboya. Ikandere Makaya. Oh, Roboso Manda Rababosa. Imande Rebakaya Mande Riamando Robosa. Ramakarababrosa. Ayamande Riakate Yamama. Romosoko Robosia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 18, il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui se produit dans la vie, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, la reconnaissance doit donc faire partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est un fruit de l'Esprit. Et quand nous regardons à ce que Dieu a déjà fait, à ce qu'il fait et à ce qu'il fera, certains peuvent dire: Seigneur, moi tu m'as oublié. D'autres peuvent dire: Seigneur, moi je n'ai pas encore vu ta main. Mais les actions de grâce favorisent, accélèrent la livraison des colis. Et nous voulons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Lorsque tu comprends que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il a tout prévu pour toi, alors tu rends continuellement grâce. En toutes choses, tu rends grâce. Malgré le fait que tout ce que tu peux voir peut être contraire à la destinée qu'il annonce, tu rends grâce. Parce que tu sais que toutes choses contribuent, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, nous voulons élever la voix ensemble. Élève la voix avec nous. Rendons des actions de grâce à Dieu. De ce qu'il ne fait pas de favoritisme. De ce qu'il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. S'il l'a fait pour certains, s'il a commencé à le faire pour certains, c'est un Dieu qui ne va pas nous oublier. C'est un Dieu qui ne va pas t'oublier. Alors rends des actions de grâce. Dis-lui merci pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Dis-lui merci, car c'est sa volonté. C'est sa volonté que tu le reconnaisses et que tu comprennes que toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu et que dans son plan, il a déjà prévu un moment où il te rencontrera. Rabakataya.
Seigneur, merci. Merci car tu ne fais pas de favoritisme. Nous disons merci. Car même si, Seigneur, certains parmi nous n'ont pas encore vu les colis livrés, tu as fait des miracles, tu as fait des prodiges, tu as accompli tant de choses. Mais nous voulons te dire merci. Car ce que tu annonces, tu le feras. Nous sommes reconnaissants. C'est notre mode de vie. Nous voulons être reconnaissants. Accorde-nous la grâce d'être reconnaissants. Accorde-nous la grâce d'être reconnaissants. Car tu confirmes la parole de ton serviteur. Ce que tu as annoncé, tu le feras. Nous nous demeurons. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la reconnaissance, dans les actions de grâce, de persévérer dans la prière avec action de grâce, tel qu'il est écrit. Persévérer dans les prières avec action de grâce. Seigneur, avec les actions de grâce, accorde-nous de persévérer. Accorde-nous de tenir. Accorde-nous de garder nos cœurs. Accorde-nous de ne pas tomber dans les inquiétudes, de ne pas tomber dans les amertumes, de ne pas tomber dans les pensées perverses, de ne pas abandonner, de ne pas être découragé en se disant nous allons vers la fin de 21 jours. Non, Dieu n'est pas limité par les 21 jours. Dieu peut faire au-delà des 21 jours. Et il verra au-delà des 21 jours. Car les paroles annoncées demeurent vivantes et puissantes. Makate Reboso. Imande Reboka. Accorde-nous de ne pas tomber dans l'inquiétude. Accorde aux frères, aux soeurs, de ne pas tomber dans l'inquiétude, dans l'incrédulité. Seigneur, mais amène-nous à être remplis d'actions de grâce. Abondés en actions de grâce. Rekatoso. Bara. Imande Rebosa. La Katea. Rakata Rababosa. Ah Père, nous te rendons grâce. Parce que c'est ta grâce qui peut nous rendre capables, Seigneur, d'avoir part à cet héritage. Nous, nous te disons merci. Car nous avons déjà part à cet héritage. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Tu nous as déjà donné l'héritage. Tu nous as déjà rendu capable. Seigneur, on attend que la manifestation. Alors en attendant, nous voulons dire merci. Car tu ne feras pas de favoritisme. Tu ne feras pas de favoritisme. Personne ne sera oublié. Aucune famille ne sera oubliée. De ceux qui croient, de ceux qui s'accrochent à la parole prophétique que tu annonces, de ceux qui honorent la grâce qui est sur cette famille. Makareboso, Minderebosa, Rakatayamanda, Rokotorobosa. Ah, rends grâce. Il ne fait pas de favoritisme. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a fait hier, il le fera aujourd'hui. Rakato Robosa, Imande Rebakaya, Imande Reboso Maya, Imande Reboso, Imande Reboso. Ra, nous rendons grâce. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Abba Père, nous rendons grâce. Abba, 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 Rokoto Robosa. Nous rendons grâce. Yekere Maya, Abba, Romokataya, Imande Reboso, Imande Rebakaya, Imande Rebosa. Nous rendons grâce. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons grâce. Nous rendons. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons. Abba Père, nous rendons grâce. Lorsqu'on regarde ce que Dieu est en train de faire, et que l'on constate qu'il est en train de faire de son église un centre de miracles dans lequel un grand nombre de malades, d'infirmes sont glorieusement et miraculeusement guéris. On voit des captifs libérés, on voit combien de personnes guéries, libérées, délivrées miraculeusement. Nous ne pouvons pas nous arrêter, bien-aimés, et nous ne pouvons pas passer sans nous arrêter. Nous devons nous arrêter et dire merci. Merci. Parce que lui dire merci, dans cette saison, il dit qu'il va perfectionner. En lui disant merci, c'est qu'on lui dit, n'arrête pas de travailler. Quand on lui dit merci, on lui dit, ah bah,
perfectionne, continue, perfectionne, continue. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, rendez continuellement grâce à Dieu, continuellement. Alors bien-aimé, peux-tu élever la voix et rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait de son église, un centre de miracles dans lequel beaucoup de malades sont guéris, des infirmes sont guéris. Mare Kotosa, nous voyons tout ce qu'il peut faire. Alors rendons grâce. Rekarabasoya, Père, nous te rendons grâce. Toi qui fais des multiples miracles, nous te rendons grâce pour la dimension dans laquelle tu mènes ton église et dans la dimension dans laquelle tu mènes tes serviteurs. La dimension des miracles, la dimension glorieuse et puissante. Merci Seigneur, parce que c'est ta grâce. Grâce soit rendue à Dieu, dit l'apôtre Paul, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Par notre Seigneur Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus. Rakararababosa. Ah, il doit être visible. Il doit être visible. Jésus doit être visible. Jésus doit être reconnu. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous amènes à être un centre de miracles. Un centre de miracles. Merci de ce que tu fais de nous, Seigneur. Un hôpital de guérison. Ah, tu fais de nous un endroit où les maîtres sur de Jésus guérissent. Ah, Seigneur, merci. Car il est celui qui s'est livré. Il est celui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible nous dit que par ses maîtres sur, nous sommes guéris. Et c'est par ce Jésus, Seigneur, que plusieurs sont guéris, plusieurs sont libérés, plusieurs captifs sont délivrés. Seigneur, comment ne pas dire merci? Comment ne pas s'arrêter et rendre grâce pour les multiples miracles, mais plus de ce que tu fais de ton église. Ah Seigneur, un centre où nous voyons tant de miracles. Merci, parce que par cela tu fais aussi de nous. Tu fais de nous tes enfants, Seigneur, des enfants de Dieu, par lesquels tu passes afin de manifester les œuvres glorieuses, puissantes que tu as prévues. Ah bah merci, ah bah. Nous sommes pleinement reconnaissants. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ces neuf lépreux qui sont partis et qui ont oublié de revenir pour dire merci. Pour dire merci, c'est là que Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il n'y en a que celui-ci, cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Bien-aimé, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Ah, Barrekatosa, pour ce qu'il est en train de faire. Partout où on est établi. Oh, le Seigneur est en train de toucher, de libérer, de faire de son église un saint. Oh, plusieurs sont en train de vivre miraculeusement. Ah, Seigneur, des libérations, des délivrances, des guérisons. Ah, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Makarebo Somaya, Marababoso, Rakaya Babrosaya, Rababoso de Romosaya. Et tout cela, c'est à cause de Jésus. Ah, c'est à cause de Jésus. Celui qui doit être vu, Jésus. Rakateya Mamama, Le Kataya, Remababo, Sarababoso, ah. Rakate ababo shaya, inerebo shaya, inerebo shaya, ekarama ya babo shaya, narababo so. Nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Jésus, le Seigneur, nous rendons. Jésus, nous rendons gloire à Jésus. Ah, parce que l'apôtre Paul nous renseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, nous l'avons par Jésus. Nous triomphons par Jésus à cause du sang versé. Mare Koto Saya. Ah. Jésus, nous rendons à Jésus, nous rendons à
à celui qui s'est dépouillé lui-même et qui a pris la forme des serviteurs. On est maintenant semblable aux hommes. Nous lui rendons gloire à Jésus. C'est par lui, par son sang, que nous sommes capables d'accomplir ces choses. Ah, nous rendons Jésus, nous rendons à Jésus le Seigneur. Dans Jean chapitre 2 et le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, la Bible dit plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent voyant les miracles. Bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons supplier et demander à Dieu qu'à travers ces miracles, à travers tout ce qu'il est en train d'accomplir, oui, qu'il y ait le salut de plusieurs, qu'il y ait le salut de plusieurs. Prions que tous ces miracles servent au salut de plusieurs. De la même façon que ceux qui ont vu le miracle que Jésus accomplissait ont cru. La Bible dit qu'ils ont cru en son nom. Ah, élevons la voix en intercession et supplions que tous ces miracles, ces prodiges qui sont en train d'être accomplis, servent au salut de plusieurs. Au salut de plusieurs. Que les Saint-Esprit puisse convaincre plusieurs. Esprit de Dieu, convainc. Macarebosa, Imande Rebosa. Esprit de Dieu, convainc. Glorifie Jésus, c'est ton ministère. Glorifie Jésus, c'est ton ministère. À travers ces miracles, à travers ces prodiges, glorifie Jésus. Rakataya, Rekataya. Que plusieurs soient ramenés à la vie. Que plusieurs soient ramenés à la vie. Car c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. C'est ce Jésus qui a dit, celui qui croit en moi vivra. Oh Seigneur, nous voulons en voir plusieurs revenir à toi, revenir à toi. La katarabaso, ramakataya, minderebosa, le kataya, et barakataya. Les saluts de plusieurs à travers ces miracles, à travers ces prodiges, lorsqu'ils les lisent, lorsqu'ils les entendent, Seigneur. Que le Saint-Esprit frappe à leur cœur. Que le Saint-Esprit frappe à leur cœur. Macarebosa. Que le Saint-Esprit puisse convaincre. Seigneur, tu veux briser l'incrédulité. Tu veux briser l'incrédulité et nous rendre crédibles. Alors, ah Seigneur, Macarebosa. Ah, tu nous donnes des témoignages de sorte que, Seigneur, plusieurs puissent croire en toi. Et nous croyons que tu le feras. Ah Père, de la même façon que tu as toi-même accompli cela à travers Jésus le Christ. Il est écrit que plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Voyant les miracles qu'il faisait. Seigneur, merci, car nous l'avons vu aussi avec Philippe. Lorsque plusieurs apprirent et virent les miracles qu'il faisait, la Bible dit que des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait. Ah Seigneur, Rokabarasaya, plusieurs étaient attentifs à ce qu'il disait. C'est que plusieurs venaient l'écouter. C'est que plusieurs venaient écouter la parole. Pourquoi? Attirés par ce que tu faisais. Seigneur, merci. Ah, tu as tué. Tu attireras. Marababoshaya rababosho. Rakaya. Ah, que Jésus. Jésus soit glorifié. Rakatesia mama. Lobarakatosa. C'est de la même façon qu'une grande foule te suivait. Il est écrit dans Jean 6, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Seigneur, amène-en plusieurs. À quoi Anarababoso, Imanderekaya, plusieurs au salut, plusieurs au salut, plusieurs au salut. En amène plusieurs. Partout nous sommes établis. Partout les gens liront ces témoignages. Le livre qui sortira. Les témoignages dans les transports. Les témoignages, Seigneur, à audio. Seigneur, chaque fois que les gens, chaque fois que le monde entendra, amène les païens, amène les inconvertis. Seigneur, brise l'incrédulité. Convainc par le Saint-Esprit. Convainc. Car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, convainc. Marababoso. À travers
derrière ce témoignage. Makarie Maya Robosa. Imane Rebosaya. Rendons grâce. Abba Père. Nous rendons. Nous rendons grâce. Abba Père. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Abba Père. Tu le feras. Tu le feras, nous verrons, Seigneur, plusieurs venir, plusieurs accepter Jésus, confesser Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Abba, nous rendons grâce, recommande Rababoso. Élevons la voix en action de grâce, parce qu'il est celui qui entend nos prières et nos supplications. Il est celui qui écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Et nous avons été déclarés justes à cause du sang. Et nous avons crié à lui. Nous nous sommes arrêtés pour lui dire merci. Et disons-lui merci parce que c'est lui qui nous a conduits. C'est lui qui nous a mis sur le chemin des actions de grâce. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci, la grâce qui nous rend capable de prier, capable de te rendre grâce, capable de nous arrêter et de ne pas oublier aucun de n'oublier aucun de tes bienfaits. La grâce de nous arrêter. La grâce de nous arrêter et considérer les bienfaits, les compter à bas. Abba, Rekorobosoya, Mare Mama Sekare Mayande Rebasa. Tu es bon, Abba Père, tu es. Père, tu es bon. Abba Père, bienfaiteur. Tu es bon. Notre haute retraite. Forteresse, bouclier. Tu es bon. Bienfaiteur. Tu veux notre bien. Abba Père. Tu es bon. Abba Père. Tu es bon. Tu es Rakababo Shaya. Tu es bon. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Abba Père. Tu es bon. Rendons grâce. Ah, pour tes bienfaits, nous rendons grâce. Pour tout ce que tu as accompli déjà. Nous rendons grâce pour ce moment de prière à bas. Rendons grâce. Robosa. Imande Rekaya. Imande Rebosa. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Abba Père. Nous rendons grâce, Abba Père. Nous rendons grâce, Abba Père. Nous rendons grâce, Abba. Nous rendons grâce. Oh, tu es bon, Abba Père, bienfaiteur. Tu es bon.